Salut toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. Il est 19h12, la température extérieure est de 21 degrés. Ouais, t'hallucines pas, on se retrouve sur 24 The Game. Appelé 24 heures chrono chez nous. On est sur PlayStation 2. Putain ouais, t'as vu, c'est ouf. Donc 24, tu te connais forcément cette série, tu vois. Elle a ouais bah plus de 10 ans. Non. Inversé, hop. Et c'était cette série qui se passait en temps réel. Chaque épisode faisait une heure. En fait, mon cul il faisait pas une heure, mais bon. En gros, t'avais 24 épisodes d'une heure et c'était la journée de Jack Bauer, alias Kiefer Sutherland. Et il y a eu 9 ou 10 saisons. Moi, bon, je me suis arrêté à 4 ou 5. Ça passait sur TF1 le mardi soir, il me semble. Ben voilà. On va se mettre en écran large, ça peut être classe, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est mieux en écran large. Ouais, c'était une série qui est sympa, moi je kiffais bien. Et du coup, voilà, ça après start, on va découvrir. Est-ce que j'ai de la place dans ma carte noire? Dites-moi que j'ai de la place. Enfin, ça, tu vois, ça c'est le kiff des cartes mémoire de l'époque, tu vois. Donc, tu me diras, on a toujours des problèmes d'espace hein, avec les nouvelles consoles, mais bon, tu supprimes une démo, hein, je télécharge et hop, les cartes mémoire, putain, tu pouvais pas gérer tes sauvegardes, quoi. C'était la haine quoi. Tu pouvais copier une carte mémoire à l'autre, mais bon, j'ai déjà quoi, 7 ou 8 cartes mémoire. Hop. Donc ouais, on va découvrir le début du jeu. C'est développé par Sony Cambridge, qui est devenu maintenant Guerrilla Cambridge. À l'époque, ils ont développé Medieval, ils ont développé Little Planet pour la PSP, 24, entre autres, voilà. Donc c'est un prestart et le nouveau follow, car ces événements se déroulent entre 6h et 7h. Voilà, vu le format du jeu, me dit que chaque épisode égale à 1h, ça pourrait être fun. Allez, on va tout de suite voir ça, ça risque de piquer les yeux forcément. 6h60, ouais 6h01 quoi, abruti. Ici Leader Beta. J'ai deux gardes armés qui patrouillent sur les ponts supérieurs. J'ignore combien ils sont en bas. Continuez mais indiquez-moi tous votre position. Il y a des armes illégales à bord et au moins 200 kilos de ricine. Tout porte à croire que ces gens sont sur la défensive. Si nous sommes découverts, ils feront sauter les cales et la biotoxine polluera le réseau de distribution d'eau. Tout le monde est prêt. Bien reçu, Leader Beta. Leader Beta, ils ont piégé le navire, on a déclenché quelque chose. Ils vont pas tarder à savoir qu'on est là. Bon sang, on y va. Il faut monter à bord et empêcher la cargaison de ricine d'exploser. Maintenez vos positions, on n'a pas le droit à l'erreur. Allons-y. C'est pas dégueu pour le PS2. T'as le doubleur officiel, donc ça peut être... c'est plutôt sympa pour l'instant. Enfin, le gameplay et tout, avec les... enfin... ah, c'est chaud de jouer à ce genre de jeu sur des télé-HD, quoi. Oh yeah! Il faut monter à bord, ouais, se déployer. Je la vue est pas inversée, donc je vais te dire. C'est quoi ce bordel? Sensibilité verticale inversée. On va la mettre en normal. Pourtant, je suis pas inversé. Et prendre le contrôle du navire. Ok, là, le bas, c'est le bas. Et en inversé. Le bas, c'est le bas. Déjà, what the fuck? Déjà? Non, je comprends pas. En fait, que tu mettes en inversé ou pas, c'est pareil. Quoi ton délire? T'as de caméra alors? Ouais, c'est ça. Ah, c'est mieux. Ah, ok. Bah, allez. Bon. Putain, j'ai mon R2 qui fonctionne pas. Si, il fonctionne. Non, L2, pardon, qui fonctionne pas. C'est pas grave, il fonctionne quand même. On fait quoi? Allez, roule là dans les escaliers, attention c'est chaud. Merde. Merde. Ok, on recharge comme ça. En position. Ah, est-ce qu'il y a un système de cover? Plus on va mettre du coup là. Ok. Hostile en vue. Merde. Ennemi abattu. Boutier. Hostile attaché. Merde, je peux faire de coup de crosse. Hop. Eh, c'est plutôt sympathique. Bon, je risque pas de jouer 10 heures dessus parce que je pense que vraiment les yeux vont saigner, mais bon. Roulade! Je crois que je vais passer ma vie à faire des roulades. Il est déjà 6h12, fou comme le temps passe vite. Fermé. Charge de pénétration.
Pardon. Non. Non, touche pas à cette porte, ok. Pardon. Tu risques de partir en cacahuète, là. On va arrêter de faire le con. Allez, ouais, vous avez raison, restez là. Du coup, elle se fait souffler. Merde, bah ouais, mais passe pas devant, quoi. Et bouge-toi. Tu peux tirer au jugé, ok, d'accord. Ouais, c'est plutôt... plutôt pas mal pour l'époque, hein. On est déjà tous morts. Et la physique. Oh là là. Imagine, il y avait même pas ça dans certains Call of. Je sais pas si dans Call of, il y a de la physique comme ça. C'est plutôt cool. Non, je me méfie comme ça, on est quand même dans un bateau. Il faut que je reste avec l'équipe. Bah oui, je viens, mais bon, pourquoi eux ils restent pas avec moi? Bande de nazes! Si vous foutez. Eh ben. Allez les gars! Mode furtif, ok. Bon les gars, quand vous voulez, moi je me tiens, c'est quoi ça? Trousse de soins, évidemment! Hein? C'était pas PDA. Ah, c'est carrément, tu l'utilises même pas automatiquement. C'est quoi le PDA? Oh là là, la classe! À la GoldenEye! Sauf que c'était une montre! Pa. Il faut que je reste avec les. Ouais, mais ta gueule, petit coche. Putain, mais. What? Ah, tes conneries, c'est quoi ce délire encore? Moi, je veux bien rester avec l'équipe, pourquoi ils avancent pas, ces blaireaux? Ils ont un coup de latte ou quoi? Wow! Oh putain, me dis pas qu'ils ont bugué, c'est con. Ah putain, quelle bande de nazes. Ils ont bugué. Ils sont morts. Ils sont morts, ok? Ils sont morts. Cellule antiterroriste. Pardon. Ok, tu peux gueuler. Allez, putain, les gars, c'est déconné. Putain! Ah, direct d'entrée, ça bug. En tout cas, je suis poissard comme ça. C'est hallucinantiel, ces conneries, quand même. Bon, c'est quand c'est parti bien, j'étais dans le move. J'étais bien. Allez, vas-y, blablabla. On peut courir. Bougez-vous, bande de Vrel. Hein? Faites bugger ma mission. D'abruti. Ça ramouille un peu. C'est sûr que c'est pas du sortimage par seconde, hein, tu penses bien. Oui, merci. Je connais le. Je connais les bails, comme disent les jeunes. Hostile en vue. Merde. Ok. En position. Tiens. Ennemi abattu. Hostile engagé. Hein. Avancez. Pas moi qui l'ai tué, hein. Si? Bon. Allez. Et faites pas la même connerie que tout à l'heure. Ok. Putain. Ah. Allez, vas-y. Défonce ta porte. Porte. Attends, c'est quoi se dire? Les mecs qui bloquent, quoi. J'amorce la charge. Une explosion nucléaire dehors ou quoi? Bon. Allez. Ok. Merde. Justement, on est derrière vous, monsieur. Carrément, il peut se rendre, le mec. Ça déchire. Ça tue. C'est génial. Bon, allez. C'est bon, ça a arrêté de bugger. On récupère un petit trousse qui peut servir. Bam, bam, bam. En fait, ils avaient juste bugué, c'est con. Et non mais... les gars... Là-bas. C'est pour ça que j'irai... Là-bas. Je vise comme une merde. Ouais, viser chou quand même. On aurait peut-être dû laisser la viser autour, c'est... Ah mais dégage. Putain. Ennemi abattu. Ennemi... On est derrière vous, monsieur. Ah bah tu... Ouais, y'a intérêt, hein. Buguez pas comme tout à l'heure, je vous défonce. Je suis chef, ok. C'est quoi ça? Ok, fusil à pépon. On va tester ça tout de suite. Non, c'est pas ce que je vais faire. Hop, fusil à... En fait, c'est... Ah, le gilet pare-balles. Le fameux gilet pare-balles. Et dans pas longtemps, tu verras, il y aura des bidons rouges explosifs. Pour être sûr. Pourquoi vous me suivez comme ça? La boutique. Bon, la caméra, par contre, est un peu... La caméra est un peu chou. Et tu vois des hostiles. Non. J'adore la physique. J'adore la physique. Hein. T'as un breakdance quoi. Il y a de la physique dans ce jeu, c'est ouf. Hunter, restez en position. Oula. C'est ce que je fais dans GTA pour monter plus vite les escaliers en fait. Je fais des roulades. Ça fonctionnait vachement bien. Ok, ça sauvegarde. Et il est bien foutu quand même. On est sur PS2.
Le jeu est sorti en 2006, s'il te plaît, quoi. Allez. Des bidons explosifs. Putain, mais... qu'est-ce que je fous, putain? Qu'est-ce que je vis vachement bien. Papapalali. Et on va. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ce serait bien si vous pouvez être devant vous. Enfin, devant moi, surtout. Je suis devant vous. Oh là. Ok, c'est ma bille en haut à gauche. Ça va. Attention aux angles. Tiens. Ah. Combat noob. Coup de crosse. Coup de crosse. Coup de crosse. Descends. Ah, t'es mort. On sait où la ricine est stockée. Dommage. Probablement dans une des cales avant du carton. Dommage. On va changer en fait. On va prendre le M5K. J'ai dit, on reprend le M5K. Ennemi abattu. On est où? Cellule antiterroriste. Ça, je vais m'éclater à faire ça. Cellule antiterroriste. En fait, très bizarre comme visée. Ok. Non, c'est par là. Non, c'est par où? Ah, putain! C'est abusé. Attends. La trousse de soins, trousse de soins. Merci, une petite trousse de soins, ça fait toujours du bien. En fait, c'est bizarre la visée. Il vise toujours au même endroit, tu sais. Enfin. Alors, je vais pas réussir à m'expliquer, donc je préfère me taire. Ennemi abattu. En fait, quand je vise. Bon, regarde, je vais viser au niveau des trucs rouges là devant. Hein. Hop, t'as vu, il vise là en fait, il vise pas à droite. En fait, tu vois la visée. Et tu tournes avec le joystick aussi. Le joystick. En fait, c'est un peu comme si c'était un FPS. Je peux le dire. C'est un peu. Oh! Putain, mais. Mais alors, attends, je me note un gars pendant que l'autre il. Ouais, mais je peux lui mettre des coups de lance. Wouhaha! Putain, y'a un chrono. Y'a un chrono. Y'a un chrono! Oh bah, toi. Ah ouais, cool, ça c'est bien ça. Yeah. Ah, j'aime bien. Un peu le bordel sur les... Putain, mais... me faire désinguer. Putain, mais... putain, c'est chaud. Je suis crevé. Oh non, c'est trop con. C'est... mais non, putain. C'est trop bête. Le mec, elle survit à l'explosion. Non, c'est trop ballot quoi. Ah, je suis deg. Je vais mourir si je fais ça. Apparemment. Attention, santé faible. J'en ai plus hein. Il reste 3 minutes. Vous pouvez pas les. Non mais. Y'a pas un médic. Ah, je me prends une bastos, c'est mort. Non mais. C'est quoi cette visée bizarre? Ah, y'a ma santé qui se régénère quand même. Allez! Allez! Ennemi abattu. Nickel! Nickel! Jack, c'est Michel. Ah, Michel! Michel! Et hop! On peut fouiller, c'est vrai. Je suis con. On m'avait passé derrière quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dû être tués quand le bateau a été pris d'assaut. Là-haut, c'est la bombe. La bombe. Allez. Il y a toujours une séquence de désamorçage dans les épisodes. C'est avec le fil bleu, le fil rouge. Vous, on le fait vraiment? Non. Ah non, on le fait pas. Oh, 70%. Voyons voir les stats. Ennemi tué, 27, cible 25, score 50. Ennemi tué. Ah, il fallait que j'en fasse 25, j'en ai fait 27, donc ça c'est bien. Tir en pleine tête, il fallait en faire 5, j'en ai fait 7. Précision, bon, à côté de la plaque, là par contre dans le cul. Ennemi ET 2, j'en ai fait 2. Ennemi s'étant livré, abattu. Ah, j'ai. Ah, il y a un ennemi qui s'est livré que j'ai abattu. Ah bon. Santé utilisée aussi. Ok, d'accord, 90%. Ah, il y a un petit système de scoring, c'est bien. C'est bien. Il est bien, chouchou. Tink, oh ce bruit. Tink, tink. Oh, qu'est-ce que je kiffais ça. Je kiffe toujours. Peut-être que j'en fasse l'intégrale dessus. Vous pouvez désamorcer ce truc. Il faut que je le sache, vite. Je peux le faire. Que voulez-vous que je fasse? Rien. Quand ce sera fait, on pourra y aller.
Chloé O'Brien. Chloé. Chase. Car m'a confié une mission. Oui, arrivé dans la saison 4-5, je crois. Non. Sinon, je serais déjà mort. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils travaillent sur une grosse affaire. Il faut que j'en ai le cœur net. Jack, où en êtes-vous? Encore combien de temps? Je vais commencer. Attendez. Début du désamorçage de la bombe. Attendez. Pourquoi tu veux qu'il attend? Ah non! Ah! Watchdog! Le circuit de la bombe est représenté par des cubes processeurs reliés par des chemins de données colorés. Ok. Donc, les interrupteurs de déclenchement de la bombe sont indiqués par des cubes jaunes. Trouvez un trajet à travers les circuits de la bombe jusqu'à chacun des cubes jaunes. D'accord. Un pigeon sur un. Ok, c'est un labyrinthe quoi. Notre limité aux dépenses. Ok, on va essayer. Avec ce genre de bombe, il vaut mieux retenir le signal principal sur le relais et court-circuiter le détonateur. Ouais, c'est bien, mais... Attends. Donc, faut que je fasse X... Enfin, croix, pardon. Cercle. Carré. Ah, ok. Bon. Donc après... C'était la première étape. Merde. Hein? Non, mais non! Bon sang, sortez! Vite! Mais qui les cons? Putain, mais quel blaireau! J'ai des yeux ou... Putain, bon, y'a pas de petite cinématique, c'est dommage. Ah, j'ai compris le concept. Et je sais pas, pourquoi j'ai fait ça? J'ai cru qu'il y avait un autre chemin, mais. Ah, est-ce que c'est toujours pareil? Oui, c'est bon, j'ai compris. Arrêtez de m'humilier. Ah non, c'est pas trop. Oui, c'est bon, dégage. C'est pas toujours pareil? Ah non, c'est pas toujours pareil. Donc là, c'est carré, cette carré. Cercle, triangle. Voilà. Bon là, je peux pas me gourer, forcément. Et la dernière. Ok, bah du coup. Ils m'ont facilité la tâche un peu, non? Ils se foutent un peu de ma gueule, non? Je crois. Ah, je crois. Ça y est, j'ai réussi. Voilà, oui, bah, ils sont foutus de ma gueule, je crois. Ok, c'était une mission? Oui, bah en même temps, les stats là. Ah, fallait moins de 45 secondes. Relation utilisée, 9, fallait faire 9. Oui, je me suis pas gouré. Nickel! Non, mais je m'en fous, dégage. Continuons. Ouais, donc ouais, ça va être le prochain follow, donc ça va être sympa. Hein. Leader Alpha, on a neutralisé le détonateur. On va essayer de faire un épisode d'une heure. Il y aura 24 épisodes. Est-ce que vous voyez les armes? Négatif, il n'y a que des conteneurs vides ici. Visiblement, le bateau a été déchargé. Baissez vos armes. Je vous ai dit de baisser vos armes. Voilà vos plans. Maintenant, parlons un peu de ma place dans l'organisation. On va voir ça tout de suite. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours... Je pourrais quoi, cette... Je fais tout ce que vous me demandez depuis un an et demi, sans rien avoir en retour. Si ça ne change pas dès maintenant, je m'en vais. Je sais que vous en avez assez de ces missions insignifiantes. Et que vous en voulez plus. Vous allez en avoir plus. Un copain à nous... Un type qui s'appelle Ricky Roberts s'apprête à tuer quelqu'un pour nous un peu plus tard aujourd'hui. Il a rassemblé plusieurs personnes et fondé un groupe qui se révèle plein de ressources. Je croyais qu'il était parti pour la côte ouest. C'est vrai. Ça va avoir lieu à Los Angeles. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'engager un ancien surfeur pour le tuer? Et voilà, 7h. Du coup, fin de l'épisode. C'est nickel! Ces événements se déroulent entre 7h et 8h du matin. Voilà! Mais écoute, ça fait un petit pré-start, mais c'est bien. De toute façon, on fera ça à chaque fois, j'espère que quand je relancerai, ça repartira bien. Donc on a quand même une cinématique. Il faut envoyer ça à la cellule pour l'analyser. Dessler. Michel, je vous envoie un PDA qui a l'air crypté. Je veux savoir ce qu'il contient. Sean s'en occupera dès qu'il arrivera. Non, ce n'est qu'un débutant, je veux quelqu'un d'autre. J'ai formé Sean, il peut le faire. Et le vice-président Prescott sera à Los Angeles au cours des 3 prochains jours, dans l'espoir de mettre un terme définitif aux conflits sociaux existants. Jack, on a trouvé la ricine, mais les armes ont disparu. On a la ricine, c'est déjà ça. Je vais demander à la division d'enquêter sur les armes. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Tony, ce n'est pas tout. On a trouvé tout l'équipage mort dans une des cales. Est-ce que tu sais qui a mis la cellule sur la piste du cargo ? Non. Je sais juste que la personne a appelé d'une cabine pas loin du port de Los Angeles. Pourquoi? À quoi tu penses? Je crois que c'est pas fini. O'Brien, j'écoute.
Ils veulent assassiner le vice-président. Pourquoi t'appelles pas de ton portable? Aline peut être sur écoute. Je n'avais pas le choix. Il ne passe pas dans le bunker où je me trouve. Maintenant, écoute-moi. Le vice-président est à Los Angeles et il compte l'assassiner aujourd'hui. Quand? Je ne sais pas. Passe-moi la cellule antiterroriste de Los Angeles. Ok, ne quitte pas. Chase, c'est la cellule de Los Angeles. Ici Tony Almeida. Je suis agent spécial. Agent Almeida, je suis l'agent Chase Edmonds de la cellule de Washington. Je viens d'apprendre qu'il va y avoir un attentat contre le vice-président dans la journée. Il me faut plus de détails pour intervenir. Je n'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un certain Ricky Roberts s'est mêlé à tout ça. Il vient de Washington. Il vient juste d'être muté à Los Angeles. Sean? Je l'ai. Ricky Roberts. Bauer. Jack, on a eu des nouvelles de la cellule à Washington. Un attentat va être commis contre le vice-président à un moment de la journée. Vous ne savez pas quand? Non, mais on a l'adresse d'une personne impliquée. Ce n'est pas loin de votre position actuelle. Je vous envoie ses coordonnées immédiatement. Robert Daniels? Il est arrivé depuis peu à Los Angeles, mais ses relations sont à Washington. Je suis en route, je vous appelle si j'ai du nouveau. J'ai l'agent Edmonds. Agent Edmonds? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé une adresse. Un de nos agents se rend sur place. Merci, on vous tient au courant. C'est à vous de jouer. Attendez, c'est tout? Vous me tenez au courant? Oui, c'est à nous de jouer maintenant. Chloé, tu es toujours là? Il me faut un vol pour Los Angeles. Ce n'est pas possible, Sonia n'acceptera jamais. Je vais voir ça avec Sonia. Chase, cette ligne est sur écoute. Oh, bon sang! Il faut que tu partes, j'envoie un hélico. Donne-moi 20 minutes pour verrouiller la base et neutraliser tout le monde. T'es dingue, il faut que tu attendes les renforts. 20 minutes, Chloé. Eh ben écoute. Eh, on est dedans! Vraiment, personnellement, je suis dedans, c'est pour ça que tu m'entendais pas. Papa. C'est un ordre prioritaire. Ah, c'est cool. Bah écoute, ça fait un petit prestart, je sais, mais bon. On fera des petits épisodes comme ça, ça va être sympa. C'est sympa. Pour la PS2, c'est vraiment sympa. Et je pense que j'ai bien m'éclater à faire ça. Donc voilà, je donne rendez-vous comme d'hab dans la partie 1.5. Ça va être le vrai début du Fallout The Gamma. Tu commences à connaître le truc si tu me suis. Et puis, bah écoute, quant à moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'est l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas, car moi j'oublie pas. Tchuss. Ha ha ha!